قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait posséder tous les joyaux du monde. Malgré cela, il préférait dormir sur une simple natte posée à même le sol. Pourquoi cela ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la vraie valeur de cette vie, qui n'est en réalité qu'un champ de labour, dont les fruits sont récoltés dans l'au-delà. Nombreux sont ceux qui s'attachent aux biens de ce monde, délaissant ainsi les priorités fondamentales qu'Allah nous a révélées. Comment adorer et satisfaire Allah si le cœur se laisse prendre par les désirs éphémères de ce bas monde? Celui qui a la certitude de rencontrer Allah et vit dans la perspective de la mort et de l'au-delà ne peut que détacher son cœur des futilités de ce bas monde et s'occuper à œuvrer dans la vie d'ici-bas pour plaire et satisfaire Allah. Allah nous rappelle sans cesse que les parures de ce bas monde ne valent rien, mais que seule la foi et sa mise en pratique détiennent le mérite le plus grand auprès de lui. Comme il nous le rappelle: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.